Thierry, C'est merci bon, d'être là avec nous aujourd'hui. merci. Après quelques jours de réflexion maintenant, suite au dernier match, on vous a entendu à plusieurs reprises défendre vos joueurs et tout ça. Dans le dernier match, vous avez été quand même assez sévère envers certains joueurs, notamment Rommel, là, qui a malheureusement pas été capable de compléter sur une séquence offensive. Est-ce que vous avez parlé sur le coup de l'émotion ou est-ce que 2 jours plus tard, c'est toujours votre opinion, disons? J'ai pas été sévère, j'ai été honnête. J'ai pas été sévère. Quand il y a des gens qui font des erreurs, ils font des erreurs. Rommel a eu un excès de confiance et ça peut arriver. Donc voilà, si vous appelez ça sévère, ben, appelez ça sévère, j'appelle ça honnête. C'est un match qui doit se terminer à 2-2. On a une différence de la langue française un peu différente, à mon avis. Mais bon, sévère, vous appelez ça sévère, j'appelle ça honnête. Rommel est très bien rentré, mais il a eu un excès de confiance sur la finition. J'appelle pas ça sévère, j'appelle ça honnête. Mais chacun a sa vision des choses. Après, il nous a énormément apporté. Et non, je ne changerai pas ce que j'ai dit. Jusqu'à temps, vous me posez la question dans 2 jours, je vous dirai la même chose. Il a eu un excès de confiance. Et ça peut arriver, malheureusement. Ça aurait pu nous remettre 2-2. Mais mis à part ça, c'était bien de le récupérer. Et puis, il est bien rentré. Mais si vous me reposez la question demain, je vais vous redire la même chose. Frédéric Gay, TVA Sport. Oui, bonjour Thierry. Encore une question générale sur l'état des forces. Est-ce que Saphir va revenir? Qu'est-ce qui se passe avec Maxi? Donc, on peut s'attendre à quel genre de Tout le monde est banc demain? fatigué. Tout le monde est fatigué physiquement, mentalement. Tout le monde est au bout du rouleau. Mais il faut continuer. Il faut essayer de trouver des forces. Ça fait du bien de retrouver Rommel. Il y a Balou qui est revenu, mais on a perdu du monde entre-temps aussi. Donc voilà. Là, je vous parle avant l'entraînement. On va avoir entraînement, donc il faut voir qui va être dispo. Donc voilà, on fait avec les moyens du bord. Aujourd'hui, ça va être difficile de travailler tactiquement et de faire une opposition parce qu'il n'y a pas assez de joueurs. Donc voilà, on travaille avec les moyens du bord. On est déjà en veille de match, mais il faut essayer de trouver une solution parce que cette équipe de New England nous a posé souvent des problèmes. Donc voilà, et puis après trouver une solution pour le match d'après aussi. Mais c'est vrai que c'est pas évident de travailler dans ce genre de conditions, mais il faut s'adapter. Il faut essayer de trouver une solution comme on a pu le faire contre Colombie. J'ai pensé que contre Philadelphie, on n'a pas souvent été mis en difficulté. On a eu 2 moments d'absence et je reviens encore, Rommel un excès de confiance dans le 1 contre 1. Mais bon, ça, c'est les choses qui arrivent. Il faut essayer d'apprendre, justement, comme je dis bien souvent, de nos erreurs. Donc voilà. Herb Zurkowski, The Gazette. Thanks, Pat. Good afternoon, Terry. Thanks for your time. You now have Mason Toy. Kyoto came back. Balou was available. Are you optimistic or encouraged that this could be your strongest lineup now? The healthiest the team's been now that you head into this last stretch of 6 games? Else, yes, I don't know. We lost Lassie, we lost Orji. Maxi wasn't on the bench the other day. Safia wasn't on the bench the other day. So, Else, yeah, I'm not that sure. Like I said just before, we can't work tactically today because we are missing players. Work tactically, you need to have an 11v11. We don't even have that. So, Else, yes, I'm not that sure. Am I happy that they're back? Oh, yes, I'm happy that they're back because when you take Rommel, for example, it gives us another dimension. As soon as he came on against Philly, yes, he changed the game. But yes, Jeremy, I will repeat again. You can't have that excess of confidence when you're losing 2-1, minute 93. But this is the guy that makes us tick up front, and he'll always be. But you shouldn't have missed that opportunity with a lack of maybe showing too much confidence. Gemma now from Canadian Press. Hi there. I'm wondering if facing a team for the fourth time in a season, like you are with the Revolution, presents any sort of opportunities for you now that you've played them a whole bunch. Well, we know obviously what they're about, and they know what we are about. We managed to beat them, sorry, in the first game of the season. We had the same thing to do with Toronto. We played them 3 times, and then we played them also at the MLS's back tournament. So, yeah, the schedule has been like this season. Is a bit, I'm gonna put that into world, as you know, another weird one where we have to adapt to it.
But yes, obviously, if you look at their team has changed a bit. They got some people in. When you can get a player like Nguyen and what he can bring to the team, especially when you saw how he played against us, how he played the other day, that can change a game into a win or not. And they managed to get a player like that and some other players to make sure that they could go higher in the league. So fair play to them. Sofiane Benzaza. Merci Patrick. Bonjour coach. Quand vous avez parlé de moments d'absence contre Philadelphie, pour revenir sur le premier but, est-ce que c'est la couverture défensive, c'est quelque chose qu'on peut travailler à l'entraînement ou est-ce que l'action de Philadelphie était juste pas parfaite, mais du moins très bien exécutée? Comment est-ce que vous gérez ça avec le staff après le match et en préparation pour New England? Ben, c'est assez facile. Quand un ballon n'est pas cadré, il faut regarder les courses. C'est le béaba du foot en général. Le ballon n'est pas cadré, il faut gérer la course, comme sur le deuxième but. Et on n'a pas géré la course. C'est l'une des premières choses qu'on t'apprend en général. Le ballon n'est pas cadré, il faut gérer la course. Donc voilà, c'est des choses comme ça quand je dis qu'on a eu des moments d'absence dans un match où ils ne nous ont pas vraiment mis en difficulté, ils n'arrivaient pas à sortir, ils ont commencé à jouer long, ils perdaient des ballons. Mais bon, comme je reviens encore une fois, on aurait pu revenir au score, mais par un excès de confiance sur un joueur qui fait énormément de travail pour nous, qui est revenu de blessure, si on est là un peu où on est à l'heure actuelle, c'est un peu grâce à lui aussi, mais sur l'action, il doit terminer autrement. Et bon, c'est des choses qui arrivent. Mais quand il est rentré aussi, il a changé la donne du match. Gavino, IMFC Radio. Merci, Pat. Thierry, il reste 6 matchs à la saison. Les 5 prochains sont soit au Red Bull Arena ou bel et bien à New York, là, donc vous n'aurez pas à vous déplacer. Est-ce qu'on peut dire que vous aurez peut-être un petit avantage sur les autres équipes en déplacement, là? Merci. Pas du tout. Tous les matchs sont des jeux extérieurs pour moi. Le Stade Saputo, il n'est pas ici, ni dans New Jersey, ni ailleurs. On ne retourne pas à la maison, je vous l'ai déjà expliqué. Le fait de retourner à la maison après une défaite ou après une victoire ou après un entraînement, ça change la donne pour n'importe qui. Vous, à l'heure actuelle, vous tous, là, vous êtes chez vous. Vous terminez de travailler ou vous devez travailler de la maison. Ça change tout. Si vous pouvez voir vos enfants, si vous pouvez retourner dans votre train-train habituel, même si pour l'instant, qu'est-ce qu'un train-train habituel avec le Covid? Mais ça, c'est ça qui change. Ce n'est pas vraiment l'endroit. C'est que nous, quand on termine, on retourne à l'hôtel. On ne retourne pas chez nous, que ce soit à Philly, que ce soit Red Bull Arena, que ce soit au Yankee Stadium, que ce soit peu importe où ça soit. Nous, on n'est pas chez nous. Ce n'est pas seulement le fait de voyager. C'est le fait de ne pas avoir le train-train habituel pour rentrer à la maison, voir ses proches ou pas. Il est là, le problème. Il n'est pas dans le... On ne bouge pas ou on ne bouge pas. Nous, on est à l'extérieur. On n'est pas chez nous, qu'on bouge ou qu'on ne bouge pas. Paul Vince, non? Thanks, Patrick. Hi, Thierry. How are you? Good, good. You? Yeah, I'm good, thanks. The performance of Amar Sadic on Sunday evening, particularly his second half. Something positive, because I thought he was great too, and also against Columbus. Yeah, I thought he had a good game myself. My first question was going to be, did his second half performance surprise you? And is he someone who has played his way more into your thoughts for the remainder of this season? So, Paul, thank you for asking me some football question. That's nice, and seeing how people play the game. That's very positive, because I thought Amar was outstanding, not only in the second half. I thought he was good also against Columbus. On and off the ball, every time we had an opportunity, it's because he came to hold the ball, even back to the goal. So I tell you exactly how it is. It's pretty simple. You can make your way through training. And right now, Amar, that's what he did. Because he played a couple of games and he didn't show enough in those games. And that's how it is. And to go back in the team, you have to train well. And Amar has been training well, doing more before training, doing more after training, listening to what we want. And right now, he's taking advantage of this. I thought he played well against Columbus, away from home. It's not an easy field to go and play against that team. Against Philly, obviously, playing in that midfield against that team, not easy at all. He managed and more than managed. He should have had an assist. We're not going to talk about it again. But I thought it was brilliant. And right now, he is responding. He wasn't responding before. He's responding now. But you can only make your way into this team with how you train. Playing is not a Jew.
You need to be able to train well in order to make the squad. And that's what Amar is doing. And at the end of the day, guys that are training well and working hard will always get their reward. It's not a due because you're from somewhere or whatever that you're going to play. You can only play if you work hard. And Amar, I will give you that, and I will tell you that. He's been working extremely hard in training. So eventually, he's got to force your hand because he's doing well in training. And he responded in the game. So that's good for us, and that's good for him. Il y a une dernière question, Jérémy, avec une deuxième. Merci, Pat. Thierry, ça fait plusieurs années que je couvre cette équipe-là et souvent on a dit que l'Impact c'était une équipe seulement de contre-attaque et dans plusieurs années c'était le cas. On voit quelque chose de différent cette année, par exemple notamment avec la construction qui part de l'arrière. Est-ce que vous voyez des améliorations? Est-ce que l'équipe s'en va dans la direction où vous aimeriez les amener avec toutes les complexités? Complexité qu'on connaît aussi, mais lorsque vous voyez votre équipe sur le terrain, est-ce que vous voyez une équipe qui s'en va dans la direction où Thierry Henry voulait les amener? Merci. Oui, oui, personnellement, Jérémy, contrairement à ce qu'on a vu à Orlando, où ce n'était pas du tout le cas, je n'étais pas du tout content d'ailleurs, avec tout ce qu'il y avait, phase 1, phase 2, phase 3, où tu ne peux pas vraiment t'entraîner, il y a des équipes qui avaient 2 semaines de plus d'avance que nous, 1 mois d'avance, on était l'une des équipes qui s'était le moins entraînée, peu importe. Là, quand tu regardes la façon dont on a défendu contre Columbus, la façon dont on a défendu contre Philly, je parle dans l'ensemble, hein, la manière dont on a pressé haut, agressé on les a empêchés de jouer, déjà, ça a déjà changé pour moi parce qu'on défend en avançant la plupart du temps. Il y a bien sûr des trucs à peaufiner, on le sait très bien d'ailleurs. Et après, au niveau du ballon, oui, au niveau du ballon, il y a des sorties. Il y a encore des choses à gérer au niveau de la finition. Je trouve qu'on ne centre pas assez. Je trouve qu'on ne frappe pas assez aussi. Maintenant, on arrive à mettre des buts dans la construction quand on a installé dans le coin adverse et non pas sur des contres. Mais oui, on essaye. Mais à un moment donné aussi, il faut avoir un peu de... Si on arrive à enchaîner des matchs, enchaîner des victoires, ça donne encore plus de confiance. On n'a pas pu faire ça encore. Enchaîner 2 matchs d'affilée, 2 victoires, je parle bien sûr. Donc, il va falloir essayer de faire ça, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Je prends toujours l'exemple, et c'est la vérité, je me répète, mais je prends toujours l'exemple de Philadelphie, où j'étais là au début quand Jim a commencé, et ce n'était pas vraiment ça. Mais à un moment donné, on lui a laissé le temps de ramener du monde, on lui a laissé le temps de mettre son système en place, et d'un seul coup, maintenant, Philadelphie est une équipe qui joue le haut du classement. Comme Toronto, à mon époque, Toronto, ce n'était pas du tout ça. Maintenant, c'est l'équipe qui fait peur à tout le monde. Donc, ça prend du temps. Mais je sens que de temps en temps, on est un peu plus solide. Il faut qu'on reste concentré sur ce genre de manque de concentration qu'on a des fois sur certains mouvements, des trucs qu'on doit contrôler un peu mieux. Ballon pas cadré, il faut gérer des courses. Il va falloir faire attention à ça. Mais bien sûr que c'est en faisant des erreurs, malheureusement, que tu apprends. Maintenant, si tu le répètes tout le temps, ça devient une habitude aussi. Donc, il va falloir faire la part des choses et essayer d'aller de l'avant et de trouver une solution demain pour pouvoir battre cette équipe qui nous a... C'est l'une des équipes qui nous a le plus embêtés au niveau du jeu. On a toujours eu du mal. À part le premier match, Orlando, on a fait un non-match. Et puis, la dernière fois, ils nous ont bien empêchés de sortir de l'arrière. Donc, voilà, il va falloir qu'on trouve une solution. Merci Thierry. Bon match demain. Merci, merci. Et je vous rappelle que Mason Toy va se joindre à nous dans quelques secondes. Mason Toy will be here in a few seconds. En attendant, vous pouvez lever la main. Si vous avez une question pour Mason, please raise your hand if you have a question. Mason is here now. We have a first question from Sydney Fowell. Thanks, Pat. Hi, Mason. How do you assess your first game with Impact Montreal?
I mean, obviously, you know, unfortunate because we didn't get 3 points. For me personally, you know, it's obviously going to take some time to get adjusted. Obviously, anytime you're coming into a team, you know, you come in with 3 quarters of the season already done. It's going to take some time to get used to how other players play and know their tendencies and things of that nature. But for me personally, I felt like I wasn't good enough. So that's on me for the next game moving forward. Hopefully the manager picks me again, or I'm able to get on the pitch and play better. Because for me personally, for my standards, it wasn't good enough. But luckily we have a quick turnaround. We play on Wednesday. So hopefully we can fix it as a unit and I can fix my play as well, and we can hopefully get 3 points and continue to move up the table. Frédéric, TVS Sports. Hi, Mason. You've mentioned previously, obviously, how Thierry was one of your idol, and now you've had a couple of trainings with him. How do you like his coaching style? How do you like his system? And how does it agree or not with your style? Yeah, I mean, I'm already enjoying him thoroughly as a coach. You know, he holds everyone to a really high standard, and that's only going to get you better, because you want to hold yourself to that same standard as well. So that's great, and I feel like the style of play that they play, for me personally, I don't really like to you know, have to fight for balls in the air and do all that type of stuff. They like to play with the ball on the ground, and they want to get in behind defenses and play attacking football, and that's the type of football that I want to play. So yeah, I'm excited to continue to learn under him and under the whole coaching staff. They're all great, and yeah, just continue to get better. Jeremy, 98.5. Yeah, thanks, Mason, for being there today. What are the one or two things that you would say are the main differences in terms of how you were playing in Minnesota and how you guys are going to transition towards the offense here with the impact, and that have maybe surprised you or maybe, you know, led you to believe that, okay, I got to really adjust in terms of these one or two different things. Thanks. Yeah, no worries. I think here, I think everyone around the league knows that they want to play out the back. You know, even when it seems like they shouldn't, they're going to do it and with confidence. And, you know, we're going to hold to that regardless of scenarios. You know, there's very few times that you'll see our keeper, you know, kicking the ball long or anything like that. So I think that's a little bit of a difference. You know, a lot of teams don't really want to play out the back. They'd rather kick it long and play for second balls. And there's nothing wrong with that because that works. But that's just not the style of play that we play here. So I think that's one, you know, pretty big difference in that regard, but everything else is just different players, different players with different tendencies and different formations. But that's just the way it goes. In professional football, you know, go to different teams, you know, they play a little bit differently. Their players are different. So, yeah, I think just playing out of the back is really one of the big differences. Greg, SBI Soccer. Hey, Mason, thanks for taking the time to do this. We're just wondering, just going off your debut with the team, we saw some encouraging signs with yourself linking up with Bojan. Are you the type of striker that thrives playing off a number 10? Perhaps you're at your best leading the line alone. Just take us through a bit your style as a striker and where you're most comfortable slotting into that front two, front three, or for solo. Again, I want to play I just want to be on the pitch. So wherever that is, you know, it's fine with me. I'll find a way to make it work. And yeah, so, you know, if that's playing with the number 10, if that's playing with the second striker, or, you know, if that's me playing up top alone, I'll figure out a way to make it work. So there's really no one place that I feel like I'm the most comfortable at. You know, I just want to really be on the pitch and help create goal scoring opportunities, and hopefully that's, you know, me putting the ball in the back of the net or sending somebody up to do that, just being dangerous. So that's really all I'm worried about, not really thinking about or where I'm the most comfortable. You know, I really just want to be on the pitch and help the team score goals and win games. We have two more. Gemma from Canadian Press.
Hi, Mason. You were talking about how you're still trying to get comfortable with the other guys and learn their playing style. And Tadri, you was saying earlier today that it's been hard to get everyone together to train tactically. How has that impacted how you're adjusting to being with the new team? And I'm wondering if living all together in the hotel is helping at all. Yeah, I think it has to help a little bit. You know, you see the guys for every meal. And you know, doing regen, you know, we're on the bus together, to go to practice and come back. So we're all together a lot. At least for me, I'm getting more comfortable with the guys. I feel like they're getting more comfortable with me. But in terms of the training and just like tactically being able to go through things, it's obviously very difficult with the quick turnarounds. You got a game on Sunday and then you got a game on Wednesday and, you know, you're trying to recover on Monday. You got training on Tuesday. And so you really just have one day to try to get everybody together and on the same page preparing for a new team. So I know that it's just going to take time to get used to everybody's tendencies and to get used to our style of play, because it's not like we have, you know, a Saturday game and then we have a whole another week to prepare for another game and to just get linked up and build chemistry. So it's going to be difficult, but I have faith that, you know, over time we'll get to know each other better. And the last one is from Herb Zukowski. Thanks, Pat. Mason, thanks for your time. Thierry Henry was talking about how everyone's tired. The players are at their wit's end because of the circumstances of what they've had to endure down there. Now, I know you're new to the team. It's going to take some time. But it's almost like you come in and you provide a breath of fresh air because you come from a different situation where you were able to go home. Where you're eager to play, not to put the weight of the world on your shoulders, but do you get the sense that, you know, you're the one player who maybe can make a difference now coming into this bubble because of where you came from? To an extent, I think obviously it's been super difficult for the guys, and I'm getting a taste of that now. You're not able to sleep in your own bed. You don't really have that much freedom in terms of where you can go. You can't just kind of hop in your car and go for a drive because, we don't have our car. You know, nobody has their cars here and they don't have their family here. So it's difficult. I feel like I can come in and make an impact. I don't feel like I'm the quote-unquote one guy that can come in and make a big difference. But that's personally what I want to do. You know, obviously coming into a new team, being a striker, or just coming into a new team and being in any position, you want to come in and make a big impact and help the team win. And that's what I want to do. And for me, being a striker, you know, that's scoring goals and creating goal scoring opportunities and in turn helping us win games. And that's all I'm focused on right now, is just helping us win games, making a difference in any way I can, being dangerous and at the end of the day, scoring goals. Thanks for your time, Mason. Yeah, no worries. Thank you and good luck tomorrow. Thank you. Voilà, c'est ce qui met fin à cette conférence vidéo. Merci tout le monde. Bon après-midi. Have a good afternoon, everyone. Bye-bye.